aujourd'hui à Barcelone entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros qui sont rarement favoris ici, mais qui ne partiront pas battus d'avance, ça c'est sûr. Salut à tous, bienvenue pour cette rencontre qui va se jouer sous la pluie. Les deux équipes vont devoir faire avec. C'est Carver Bateau qui vous parle. Il va y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Liga Santander que nous allons suivre. Le FC Barcelone affronte l'Atlético de Madrid. Je suis installé, comme vous, prêt à profiter du spectacle. Pierre-Emerick Aubameyang, l'international gabonais, il devrait encore nous proposer des choses intéressantes aujourd'hui. C'est Barcelone qui a donné le coup d'envoi de la rencontre. Il tacle. C'est mal donné de la part de Aubameyang. Yorick Tillmans. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Enis Bardi. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Aubameyang. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Saint-Maximin. Oh, il est passé. Le petit ballon piqué. Golasso. Oh, le petit ballon Golasso. Piqué. Magnifique. Le ballon qui est au fond. En Italie, en Espagne, qui dit ça. Golasso. Ouais, d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, cette petite bichenette, tout au touché. Ouais. Et c'est donc l'Atlético Madrid qui mène. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'Atlético. Allez, peut-être une bonne occasion. Ça n'ira pas plus loin. Ferran Torres. Pierre-Emerick Aubameyang. Bonne séquence de passe des Barcelonais. On va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Oh, finalement, c'était chaud, mais finalement, sans problème. C'est récupéré ce ballon, capté. João Félix. Il y a de la place là pour l'Atlético. Comment vont-ils le jouer ce corner? Et la tête qui va passer hors cadre. Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. Cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Il poursuit son action personnelle.
Ah oui, le bon ballon là. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Là, c'est clair pour l'arbitre. Cette main dans la surface, penalty. Alors, effectivement, Félix. On fait le ralenti, ce penalty, contre-pied parfait. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Sergio Busquets. Ricardo Pereira. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Pau Torres. Ça roule maintenant. Felipe. Elle mène au score. Ils font tourner le ballon. Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Geoffrey Kondogbia. Le ballon qui change de camp. Les Blaugrana qui ont le ballon. Allez, il faudrait qu'ils centrent très vite. Chercher l'ouverture, bien sûr. Coupance. Aubameyang. Oh, magnifique la parade. C'est marqué ça comme un style de match. Du style marrant. C'était loin d'être évident. Ah oui, ça se voit que c'est des Français. Hein. Qui va arriver en plein milieu de la surface. Lukaku, ils disent Lukaku, ils disent pas Lukaku. Assez difficile, il y a autant d'adversaires autour. On est quand même pas mal privé de ballon, hein, l'équipe visiteuse. Et ce qui compte, c'est d'être capable de se créer des occasions nettes et de les concrétiser. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, cette équipe s'est vraiment montrée redoutable. Enis Bardi. Saint-Maximin. Joe Félix. Alan Saint-Maximin. Il pose son ballon pour ce corner. La transformation du pénalty à nouveau. Le ballon qui arrive au point de pénalty. Un mauvais dégagement là, attention. Saoul. L'arbitre qui intervient pour signaler une position de hors-jeu. Alors il fallut attendre un tout petit peu plus pour donner ce ballon, dommage. Sergio Busquets. Pierre-Emerick Aubameyang. Ferran Torres. Oh, la faute, l'attaque qui a été stoppée par cette grosse faute. Et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte un jaune. On voit cette faute sur ce tacle glissé. Il va chercher un partenaire loin devant. Le ballon change de camp. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Il va vite revenir défendre. Oh, le numéro qu'il nous fait. Et ça va être dangereux. Mardouaka 0-3, je peux faire tourner. Non, on voit les images de la contre-attaque. Un buteur qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense. Complètement ce match. Et ça continue pour Aubameyang. Tchoufati.
Attention, il peut centrer là. Bonne sortie, ballon bien capté. Il y a beaucoup de présence physique à la surface. Joao Félix. On vient d'assister à une première période à sens unique avec 3 buts à la clé. 3-0 donc. L'FC Barcelone qui... Il reste une mi-temps, on arrive à... L'Atlético de Madrid qui mène au score au moment où l'arbitre siffle le début de la seconde période. On a encore rien. Ça arrive maintenant. Paul Torres. Aubameyang qui a récupéré ce ballon. De Jong. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah, la très grosse occasion, mais excellente intervention du gardien Ederson. Geoffrey Kondogbia. Felipe. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. André Correa. Pau Torres. On aura un rendez-vous du championnat d'Espagne pour cette rencontre. Le FC Barcelone qui affrontera l'Espagnol à l'extérieur. J'ai très très envie d'y être à ce match. J'espère que vous avez bien noté le rendez-vous. Finalement, ils perdent ce ballon. Pau Torres. Personne a constaté que l'équipe visiteuse monopolise le ballon. Si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Pau Torres. Daniel Vaz. Geoffrey Kondogbia. Felipe. Hector Herrera. Pau Torres. Il y a 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Saoul. Parce qu'il a trouvé Aubameyang sur son chemin. Ce sera sans difficulté pour Ederson. Daniel Vaz. Faites comme moi, il doit vous tarder d'être devant cette rencontre. Il y a deux équipes qui vont nous proposer un match de haut niveau. Ça ne fait aucun doute. Ricky Elmans, Karim Aubameyang, il va peut-être pouvoir marquer. J'espère que ce sera un thème chouette. Hein. Anecdotique, il y aura au moins un petit truc positif à retenir pour eux. Enfin, même si c'est chez eux, que ce soit chouette. On va ensemble, hein. C'est une séquence de préparation là, qui va amener le but. Et pour le gardien, se faire prendre le pas avec de Mélan. Hein? Dans les gommasseurs? Non, dans. Ah ouais, je me souviens, le capture. Ouais. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Il est content de faire circuler le ballon à toi, à moi, et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. Et deux bons. Felipe.
Estrella Vaz. De bombes féminines, là. Hector Herrera. Je précise, parce que comme ça sur YouTube. Il y a une équipe trop passive. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Geoffrey Kondogbia. Saoul. Hector Herrera. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Aubameyang. Allez, l'occasion de réduire l'écart. Et le voici. Oh, le voici, le but qui peut tout changer. Et pourquoi pas? Plus qu'un, et ils seront de nouveau à égalité. Quel scénario! Un petit but qui les sépare désormais, le score est 2-3-2. Cette équipe a montré un visage offensif très séduisant aujourd'hui, parce qu'avec ses débuts encaissés, ça aurait été difficile. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Saoul, Pau Torres, et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser, il faut y aller. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Il y a quelqu'un en second poteau. Tranquillement hein, pour le gardien ce centre. Belle prise de balle. Pas mal, Correa. Il y a des Carrasco. Hector Herrera. Attention, parce que là, ça peut sortir. C'est la fin, gueule, hein. Si tu veux pas me laisser le ballon, ben je m'en vais. On voit ce but. C'est quand même un petit peu problématique. Hein. Le gardien prend comme ça au premier poteau. 4 à 2. Avance de début au tableau d'affichage. Ce sera une touche à suivre. Felipe. Felipe. Point de passe. Un petit peu de panache d'un côté ou de l'autre, là, parce que la fin de match est vraiment ennuyeuse avec ces séquences de passe à 10. Hector Herrera. Ça arrive maintenant. Pau Torres. Geoffrey Kondogbia. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Daniel Vaz. Geoffrey Kondogbia. Et c'est donc la fin.